lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agira, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Tu continues? Amen. 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 Alors, le thème même de l'exhortation ce soir, connaître le ministère prophétique. Alors, c'est un thème que j'aborde toujours, un enseignement. J'essaierai de parler de ça parce que c'est important. Pourquoi? Parce que moi-même, c'est le ministère que j'exerce. Je n'exerce pas le ministère de pasteur ni d'évangéliste. J'exerce le ministère prophétique. Alors, je suis souvent confronté aux gens qui ne maîtrisent pas ce ministère. Et souvent, c'est difficile. Voilà. Mais il faut expliquer. Il faut expliquer comment fonctionne ce ministère. Il faut expliquer comment exercer ce ministère. Alors, un exemple palpable, un puissant enseignement nous est dégagé dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. C'est un passage que j'ai l'habitude d'enseigner d'ailleurs par la grâce de Dieu. À partir du verset 9, on nous montre comment s'exerce un ministère prophétique. Alors, le prophète d'abord, qui il est? Qui est le prophète? Vous savez, la répétition est pédagogique pour nous qui sommes des enseignants. C'est le ministère que nous avons aussi, c'est de parler et enseigner la parole de Dieu. Dans l'enseignement, on a un objectif à atteindre, c'est d'amener les gens à comprendre. Donc, le ministère prophétique, qui est prophète? Plutôt, 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9, on nous explique ça rapidement. Dans 1 Samuel 9, 9, le ministère, le prophète. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, le verset 9. Oui, 1 Samuel 9, 9. Alors, priez pour la Côte d'Ivoire. Vous qui me suivez, je demande qu'on prie sérieusement pour la Côte d'Ivoire. Prions tous pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je vous le dis, nous avons parlé et nous avons dit beaucoup de choses selon la révélation de Dieu. Malheureusement, la guerre va embraser la Côte d'Ivoire. Malheureusement. Alors, je ne le dis pas parce que j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. Je le dis parce que je vois des choses venir. Ça serait une guerre, n'est-ce pas, ethnique. Voilà. La politique a pris une autre allure et c'est dangereux au niveau de ma nation qui est la Côte d'Ivoire. Depuis une année, on a commencé à parler de la Côte d'Ivoire. Dieu nous parle, nous donne des signes et on essaie d'expliquer ça à nos autorités. Voici la pensée de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que nous, en parlant de la Côte d'Ivoire, nous prenons parti. Mais non, nous sommes apolitiques. Mais la révélation prophétique, n'est-ce pas, elle est importante dans les moments les plus difficiles. Dieu utilise ses prophètes pour parler. Malheureusement, le pire que nous ne souhaiterons pas voir va arriver à la Côte d'Ivoire parce que les gens ne prêtent pas l'oreille au message prophétique, malheureusement. Mais nous ne cesserons de prier pour la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, le pire va arriver. Voilà. Je ne sais pas si c'est Dieu en dit sur le cœur des gens pour que le malheur la frappe la Côte d'Ivoire, mais ça serait vraiment douloureux et malheureux de voir la Côte d'Ivoire en sang, en feu et en sang. Voilà, en feu et en sang. Ce n'est pas nos souhaits, mais malheureusement, les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils ne veulent pas écouter. À un moment donné, quand les gens décident de faire ce qu'ils veulent,
Dieu agit. Voilà, quand Dieu lâche une personne, Dieu livre cette personne à un châtiment le plus terrible. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes dans une consternation, on entend de prier et on a donné la pensée de Dieu par rapport à la nation ivoirienne. Alors, ceux qui veulent forcément agir selon la chair, tant pis pour eux. Mais la Côte d'Ivoire, si elle brûle, c'est notre patrie et tout ça. Ça serait dangereux et malheureux de voir cette Côte d'Ivoire-là s'embraser. Voilà. Ceux qui ne croient pas à ça, les choses sont en train de venir. Malheureusement, la Côte d'Ivoire sera confrontée à une guerre terrible et ça va pousser cette guerre-là. La guerre, il y a deux sortes de guerres qui sont terribles. La guerre religieuse et la guerre ethnique. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire sera la guerre ethnique, malheureusement. Mais nous demeurons de la prière. Nous demandons au Seigneur, de la même manière que l'ange est venu tendre l'épée, n'est-ce pas, pour demander à David, demande ce que tu veux, ou un châtiment et tout ça. Et le Seigneur a non seulement envoyé le châtiment, mais à un moment donné, David a prié en posant une action et puis les dons ont changé. La Côte d'Ivoire va s'embraser à cause, n'est-ce pas, des passions politiques, des ambitions politiques. Vouloir régner absolument va conduire la Côte d'Ivoire dans une guerre plus terrible. Je dis ça en tant que prophète de l'Éternel. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un. Mais tous les amis de la Côte d'Ivoire, priez pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes en danger. Voilà, nous sommes en danger. Alors, le prophète qu'il est, un voyant, 1 Samuel 9:9. Oui, autrefois en Israël, on allait consulter Dieu. Quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant. Autrefois en Israël, quand on allait autrefois, ça veut dire dans le passé. Quand on dit autrefois, ça veut dire dans le passé. Dans le passé, quand on allait consulter Dieu. Consulter, ça veut dire chercher la vie de Dieu, demander son avis. On disait, allons voir le voyant, allons voir, parler à celui qui voit. Celui par qui Dieu peut nous parler, par qui Dieu peut nous révéler les choses les plus cachées. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète de nos temps aujourd'hui au 21e siècle s'appelait autrefois le voyant. Avant, on l'appelait le voyant. C'était son nom-là. La vraie appellation, c'est la voyance. Ok. Donc, le prophète, c'est le voyant. D'accord? Alors, le prophète, comment il travaille? N'est-ce pas? Il travaille dans les actions prophétiques. Vous voyez, le ministère prophétique, c'est le ministère le plus délicat. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin d'une révélation. Alors, j'ai vu une image sur Facebook qu'ils m'ont envoyée d'ailleurs. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un pasteur. Bon, je ne sais pas si c'est pasteur. Voilà, je n'ai pas lui donner le titre de pasteur parce que je n'ai pas vu sa carte pastorale. Bon, ce n'est pas la carte pastorale, mais rien n'atteste que c'est un pasteur. Il voit une folle dans la rue et puis il a commencé à prier pour la folle. Maintenant, c'est la folle maintenant qui délie le pasteur. Vous comprenez? La folle, elle prend ses chaussures et puis maintenant elle attaque. Le pasteur dit, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort. Et la folle aussi, elle prend aussi. Hein? Et puis elle attaque. Parce qu'elle passait. Donc elle se sentait agressée. Donc on me dit, mais pourquoi il n'a pas pu délivrer? Parce qu'on dit au nom de Jésus sort. Mais il y a des choses, tant que Dieu ne te dit pas, c'est ce qu'on appelle le réma. Tant que Dieu ne te dit pas fait, que tu t'engages dedans, ça te risque et périt. Parce que les gens me demandaient, mais on dit au nom de Jésus, démon sort. Puisque tu es en train d'enseigner sur la démonologie, pourquoi on n'a pas pu chasser le démon qui est dans la vie de cette folle? J'ai dit, parce qu'il n'a rien reçu de Dieu. Bien que Dieu nous a mandaté de chasser les démons, pour ce cas, pour le cas de la folle, lui, il voulait s'attirer le regard des gens. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que n'imposez pas les mains par précipitation. Vous comprenez? N'imposez pas les mains par précipitation. Il y a ce qu'on appelle logos et il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, le réma. Le prophète est plus dans le réma. Donc, tant que tu ne reçois pas le réma, c'est-à-dire que la révélation de Dieu pour agir dans la vie d'un individu, on ne fait pas. C'est ça la différence entre nous et les pasteurs. Tu peux être là, le prophète peut être là, tu peux être là, puis le prophète ne peut rien te dire. C'est ça qui vous fatigue souvent. Non, mais je ne suis pas obligé de te parler. Il dit, je ne suis pas obligé. C'est ce que nous avons dans la parole de Dieu. Dans 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 9, il va reprendre. Vous allez écouter. Un monsieur du nom de comment on l'appelle?
Naaman, qui venait de la Syrie, n'est-ce pas, venu voir un prophète, le consulter, voir la vie de Dieu par rapport à sa délivrance. Et regardez ce qu'il fait. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Oui. Élisée lui fit dire par un messager, oui, va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra plus saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Très bien. Il va en Israël, on lui dit, le mal dont tu souffres, cette lèpre, un prophète en Israël, nous sommes convaincus que si tu rencontres ce prophète, tu seras délivré. En quête de guérison, alors il part en Israël avec tous ceux qui l'accompagnaient. Ils sont allés vers le roi les a conduits, on a conduit chez la maison d'Élisée, le prophète. On dit, Élisée fut par un messager lui dire. Donc ça veut dire qu'Élisée n'est pas venu lui parler. Vous comprenez? Élisée vient lui dire par Géasi. Nous savons que le messager fut Géasi. Quel est le prophète pour dire, va dire à ce prophète, au monsieur Naaman. Alors, pour être guéri, il faut qu'il plonge sept fois dans le Jourdain. Alors, je vous explique. Ça dit que le monsieur, il est malade, n'est-ce pas? Il a besoin d'une guérison, il a besoin d'une délivrance. Et on lui dit, pour que tu sois guéri, ok, de la lèpre dont tu souffres, il faut aller plonger sept fois dans le Jourdain. Par exemple, sept fois dans la Seine, vous comprenez? Vous venez comme ça à Vitry. C'était Élisée, si vous voulez, prêtez-moi ça. Comme Élisée à Vitry, Élisée vous dit, vous êtes venu, pour être guéri, allez plonger dans sept fois dans le Jourdain. Mais il y a quel rapport entre la maladie et puis l'eau? Est-ce que vous m'avez bien saisi? Vous m'avez bien saisi? Alors, on dit, le monsieur prie pour les gens. C'est pour ça qu'il a quitté toute la Syrie pour venir se trouver, pour être là en Israël. Et le prophète, au lieu qu'il prie pour lui, il lui dit d'aller plonger sept fois dans le Jourdain. Est-ce qu'on me saisit un peu? Donc, le gars, il trouve ça un peu bizarre. Alors, allons-y. C'est ça le prophétique. Naaman fut irrité. Vous voyez, au lieu, il dit Naaman fut irrité. Quand on parle d'irrité, ça dit en colère. Il s'est dit, mais attends, on me dit que le monsieur prie pour les gens. On me dit qu'il délivre les gens. À ma grande surprise, il prie même pas pour moi. Il me dit d'aller plonger sept fois dans le Jourdain. Il est fâché. C'est pour ça que souvent les gens, ils pensent qu'on est, amis. Non, le prophète ne peut pas se familiariser à vous. Ce n'est pas possible. Parce que souvent, quand on vous dit faites ça, vous avez l'impression que vous devez faire d'autres choses. Non, non. On dit va plonger sept fois dans le Jourdain. Tiens, regardez pourquoi. Regardez ce qu'il dit. Ça dit qu'il avait quelque chose dans la tête. Et il s'en alla en disant. Et en disant. Voici, je me disais moi-même, il sortira vers moi. Quand je vais aller chez le prophète, il va sortir vers moi. Il se présentera lui-même. Je suis là, je suis Élisée, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agira. Il agitera. Il agitera sa main, sur la place et guérira le lépreux. Oui. C'est ce qui est dans ma tête. Pourquoi un coup il me dit d'aller. Il a quel problème, moi? Pourquoi il prie pour les gens et puis pour moi? Il est bizarre, moi. Est-ce que je lui ai dit que je suis venu nager? Est-ce que je lui ai dit que c'est la canicule où il doit plonger dans l'eau, il est chaud? Pourquoi moi je dois aller plonger dans l'eau? Et puis dans le Jourdain, c'est comme la Seine, c'est-à-dire le recoupement des eaux usées. Donc lui, il dit, mais. Je me disais, attends, est-ce qu'il est vraiment dans le vrai, ce monsieur? C'est pour ça que dans le ministère prophétique, c'est un peu, si vous voulez, délicat, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter, n'est-ce pas, les recommandations prophétiques. Je réponds. Les gens ont du mal à accepter les recommandations prophétiques. C'est-à-dire, quand le prophète parle, les gens ont du mal à accepter. Moi, je disais tout à l'heure, le pire va arriver en Côte d'Ivoire, que vous voulez ou pas, ce n'est pas mon souhait. On a déjà averti, on a déjà prévenu. Voilà. Pour tous les Ivoiriens qui me suivent, allez prendre des rubans attachés à la porte de à la rentrée de votre porte et commencez à parler sur la Côte d'Ivoire. Qu'on n'écoute plus les hommes de Dieu. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas une église, mais la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Alors Dieu a son mot à dire.
et qu'on ne respecte plus les recommandations de Dieu, le pire arrive. C'est ce que je vais dire. Voilà, je continue. Je parle de la Côte d'Ivoire avec les larmes aux yeux. Parce que la guerre va venir, on ne va plus voir le plateau. Les deux ponts seront cassés. L'eau de la lagune, plein de choses, seront pleins de corps humains, des corps sans vie. Je vous dis la vérité en tant que prophète de l'Éternel. Ça me fait peur. Le pays est en train de... Le pays, la Côte d'Ivoire n'est pas loin d'être détruit par des ambitions politiques. On parle de ça, les gens pensent qu'on est dans un... appartient à un parti politique et qu'on n'a rien à dire. Si, on a quelque chose à dire parce que la Côte d'Ivoire appartient à nous les Ivoiriens. Et en tant que prophète de l'Éternel, on peut parler si Dieu nous demande de parler. Alors on lui dit, va plonger 7 fois dans le Jourdain. 7 fois, 1, 2. Et c'est avec précision. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois dans le Jourdain. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Monsieur, on dit, va plonger dans le Jourdain pour être guéri. Toi, tu trouves que l'eau qui est chez toi est mieux que... C'est ça que les gens... Souvent, c'est ça le problème des gens. Ils pensent que l'autre pasteur est mieux que l'autre. Parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient entendre que le pasteur a dit. Ou même le prophète a dit. Ce qu'ils voulaient entendre, ce n'est pas ce que le prophète a dit. Donc, lui dit, mais est-ce que les eaux, n'est-ce pas, de la Syrie, qu'on appelle... De, l'Abana. Le Nabana. L'Abana et le Parpar. Ouais. Ne valent pas, dit-il. Mm-hmm. Ne va-t-il pas mieux que les eaux d'Israël? Oui. Allons-y. Oh, d'accord. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Avec fureur encore. Voilà, donc il a fait la comparaison. C'est un peu lâche. L'homme de Dieu dit, va plonger dans le Jourdain, tu fais une comparaison entre l'eau de ton pays et puis l'eau d'Israël. Est-ce que c'est une question de comparaison? Il n'y a pas que seulement le Jourdain en Israël. Pourquoi tu fais la comparaison? Le prophète dit, voici les recommandations, voici ce que je reçois de la part de Dieu. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens qui ont l'habitude. Ici à Paris même, là, le papillonnage, là, c'est ici. Souvent on vient dire, non, lui là, on dit que son onction n'est pas beaucoup aujourd'hui. Lui, on dit que ça diminue un peu sa puissance. Quelle question de puissance? Lui, on dit qu'il ne voit pas bien. Voilà, donc il compare, il dit non, il s'en va avec colère, d'accord? Alors, voici ce qui va se passer. Quand un homme de Dieu vous donne des recommandations, suivez vos recommandations. Suivez les recommandations. Pourquoi? Parce que le prophétique n'étendra pas compte de ton avis. Le prophétique, c'est le réma. C'est à partir du réma que les hommes de Dieu parlent. C'est poussé par Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part de Dieu. D'accord? On y va? Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, dois-tu? Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Le gars dit, mais attends, le prophète t'a demandé, mais ce n'est pas difficile. Ce qu'il t'a demandé de le faire, il faut le faire. Pourquoi? Pourquoi les gens, ils étaient dans la révélation de Dieu? Pourquoi? Parce que le prophète, le prophétique, c'est quelque chose qui apporte un déclenchement d'une bénédiction. Surtout l'action, l'obéissance à l'action prophétique apporte un déclenchement de bénédiction. Quand nous lisons 2 Rois, le chapitre 20, 2 Chroniques 20, 20, nous comprenons ça. Je prie que le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, la révélation de Dieu, ce n'est pas fait pour qu'il efface le troisième mandat. Je m'en fous de comment il va percevoir ça. Je m'en fous de comment les gens percevront ce que je suis en train de dire. Mais ça y va de sa vie. Ça y va de sa vie. Et ça y va aussi de la vie de la nation. Tout compte fait, quand une révélation sort, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui est sur le trône, qui est à la tête d'une nation, et que cette personne ne tient pas compte de la vie de Dieu. Parce que tout compte fait, si vous n'y croyez pas, mais la vie de Dieu compte dans la décision d'une nation. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 13,
chapitre 13, à partir du verset 1, aucune autorité n'est établie sans Dieu. Ça, c'est clair. Et toutes les autorités qui existent sont établies par Dieu. Alors, je reviens encore là-dessus pour dire, si on cherche à savoir les avis des hommes, nous perdons, n'est-ce pas, la vision de Dieu. Parce que si tu vas vers les hommes, demander leur avis. J'aimerais poser ma candidature. Et puis les gens disent, on est d'accord du fait que tu poses ta candidature. Ok, ça c'est vrai, humainement parlant. Alors, quel est l'avis de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que tu as consulté Dieu? Je pense que le président de notre nation, il est musulman, ça veut dire croyant. Après avoir consulté les gens de son parti, son bon parti politique, mais est-ce qu'il a cherché à savoir la vie de Dieu? Point d'interrogation. Parce que si la vie de Dieu n'est pas dedans, c'est un problème. La Bible nous dit dans le psaume, si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Malheureusement, les gens ne cherchent pas la vie de Dieu, mais c'est pour eux qui leur intéresse, ce que les gens disent. Or, à un moment donné, Dieu peut te dire, il n'est plus avec toi dans le troisième mandat. Voilà. Parce que tu peux travailler premier mandat, deuxième mandat, et puis Dieu peut te dire, non, le troisième mandat, donne à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Et la vie de Dieu compte. Et malheureusement, les choses qui frappent à l'œil, Dieu n'est pas forcément dedans. Le choix de David, n'est-ce pas, paraissait bizarre. La preuve, c'est quand Samuel est parti dans la maison d'Isaïe, du père de David, il a remarqué qu'il y avait les plus grands qui avaient la carrure d'un roi. Et le Seigneur dit, non, moi je ne regarde pas l'apparence, n'est-ce pas? Je ne regarde pas l'apparence. Et ça a dépassé Samuel. Et à un moment donné, Samuel a dit, mais tout ce que je vois ici, ton choix n'y est pas. Il a demandé, il dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, mais celui-là, il est gamin, il attend de faire perdre son truc. Dès qu'il est arrivé, Samuel a voulu le banaliser. Il a dit, non, choisis-le comme roi. C'est lui. Vous voyez donc, la plupart du temps, les choses de Dieu paraissent un peu bizarres aux yeux de Romain, pourvu qu'elles soient dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si Dieu est avec toi, si Dieu, que ça soit un choix en matière maritale, dans le mariage, il faut avoir le choix de Dieu. Et même dans un voyage, dans un projet, avant toute chose, avant même de projeter quelque chose, cherche toujours la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si Dieu est avec toi, aucune personne ne peut te combattre. Ça veut dire quoi? Si Dieu te cautionne, si Dieu est avec toi, aucune armée sur cette terre ne peut te vaincre. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ils vont te chasser. La rue va te chasser. On a vu l'exemple du Burkina. Blaise Compaoré est parti. Il avait toute l'armée avec lui, il est parti. Voilà, il avait toute l'armée. On a vu Mobutu qui est parti de la rue. Faites attention, la vie de Dieu compte beaucoup dans ce que nous faisons. Et ça, c'est beaucoup très important. Moi, je m'adresse directement au président Ouattara. Ce n'est pas bon le troisième mandat pour lui. C'est fini. Voilà. Il faut qu'il mette quelqu'un d'autre. On peut comprendre. Mais s'il veut s'entêter pour être président de la République, Côte d'Ivoire, pour poser le troisième mandat, il pousse la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Et cette guerre-là, ça serait une guerre terrible qui restera l'histoire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que Dieu aide mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit, la seule chose que Dieu ne veut pas, que le président Ouattara ne pose pas qu'il soit poussé par l'orgueil ou bien l'envie de poser un troisième mandat, ce serait une erreur de sa part. S'il le fait, la rue va le chasser. Je crains fort pour sa vie. Je crains même fort pour Bédier. Je crains beaucoup. Et j'ai vu des artistes de renom qui sont morts dans cette guerre civile. Il y aura une guerre civile qui se prépare. Je le dis, c'est comme si tu es en train de donner une prophétie, c'est plus fort que moi. Dans ce message, c'est plus fort que moi. Tout compte fait, ceux qui doivent mourir vont mourir dans cette histoire. On était déjà prévenus. Voilà. Donc, le prophétique, c'est un prophète, c'est celui qui avertit. Un prophète, c'est celui qui nous donne la pensée de Dieu par rapport à certaines situations. Donc, comme je disais, je t'entends donner l'exemple. En tant que prophète de l'Éternel, voici la pensée de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que le prophète travaille. Alors, dans ce passage, il y avait une révélation de Dieu concernant la maladie de Naaman. Naaman a voulu faire ce qu'il voulait, ou bien il voulait entendre ce qu'il avait envie d'entendre. Malheureusement, le prophète a... Heureusement, je dis bien heureusement, le prophète n'est pas rentré dans son jeu. Le prophète seulement a donné la révélation. Il fallait y obéir. Alors, à un moment donné, il s'est soumis à la pensée de Dieu. Et il a effectivement plongé sept fois dans le Jourdain. Et après, ça, il a été guéri. Donc, le prophète
C'est celui-là, n'est-ce pas, qui a le rhéma de Dieu, la pensée de Dieu qui partage, apprendre ou à laisser. D'accord? Apprendre ou à laisser, c'est ça la pensée prophétique. Voilà. Amen. Donc vous êtes venus ici, le prophète ne fera pas ce qu'il voulait. Le prophète lui reçoit une pensée de Dieu. Et puis vous dit, voici ce que Dieu m'a dit. N'est-ce pas? Voici ce que Dieu me dit de faire. Voici la pensée de Dieu, n'est-ce pas, pour ta situation. Voici la pensée de Dieu, ça c'est beaucoup très important. Alors, 2 Rois, 2 Chroniques, le chapitre 20 et le verset 20. Oui, 2 Chroniques 20, 20. Voilà. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Oui, confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Parce que le prophète, la réussite, la clé de la réussite appartient au prophète. Pourquoi? Parce que le prophète il vient vous donner la pensée de Dieu. Comme je disais tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire, il vient donner la pensée. Dieu ne cherche pas ton avis, il dit, mais voici ce que tu dois faire. Donc Dieu, il nous donne le réma. Nous y croyons, ça nous a fermé dans la foi. Maintenant, le prophétique nous amène, n'est-ce pas, à des grandes choses. Des choses dans le sens où, quand nous obéissons au prophétique, nous apporte, n'est-ce pas, la réussite dans tout ce que nous voulons entreprendre. Il dit, en l'Éternel vous serez affermi et en ses prophètes vous réussirez. Amen. Voilà donc, que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Voilà, que la main de Dieu vous visite, que la main vous bénisse. Que notre Dieu, qui est si grand et puissant, n'est-ce pas, exauce nos prières et nous assiste dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, soyez davantage bénis. Continuez de prier pour la Côte d'Ivoire. Voilà mon pays. Voilà. Pour que la main de Dieu soit toujours sur ce pays. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous aurons la réception et on aura l'occasion d'échanger avec vous. Ne manquez pas demain. Demain, c'est dimanche, à partir de 14h. Nous avons le culte jusqu'à 18h30. Voilà, donc shalom à vous. Tout à l'heure, c'est la réception. On aura l'occasion de recevoir les gens. Soyez bénis.